Aujourd'hui, c'est le 31 octobre. C'est donc Halloween. Et sa marque est de la partie. Toutes sortes de choses sont au programme. Cet après-midi va avoir lieu un atelier qui s'appelle Hackerspace, donc organisé par l'EcoFab. Et les citoyens sont invités à venir s'amuser. Donc ça va être toute une exploration en soi. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de discussions sur ce qui fait que Saint-Marc pourrait devenir un espace citoyen du 21e siècle, l'idée de la ruelle revenait. Donc cette idée que dans une ruelle, on se sent un peu comme chez soi, on sait qu'on peut laisser des affaires, on sait qu'on peut investir cet espace-là, qu'on peut se l'approprier. Habituellement, pour Halloween, des citoyens de Rosemont décorent une ruelle. Et cette année, c'est l'église Saint-Marc qu'ils vont investir. Ils vont venir y ajouter des décorations et les couleurs d'Halloween. On va avoir une ambiance musicale. Deux organistes vont être sur place pour emplir l'église de ces sons assez particuliers avec des thématiques. On a aussi un orchestre de table tournante qui vont être sur place pour créer toutes sortes de sons. Ce sont 12 tables tournantes qui sont en continu et qui finissent par créer vraiment une cacophonie organisée. Et reposons-nous. Plusieurs personnes seront sur place pour distribuer des bonbons en bas des marches de l'église pour finalement inviter les gens à entrer, à venir découvrir. Des artistes de cirque ont été invités à se joindre à nous pour l'occasion. Chacun finalement est libre de venir, de se costumer, de jouer le jeu, d'interagir, d'entrer dans son personnage, d'explorer ce lieu et de ses différents recoins et de venir s'amuser finalement. Avec un peu de chance, Spider-Man sera avec nous pour escalader les murs de l'église. Qu'est-ce que ça veut dire fêter Halloween dans une église ? C'est assez spécial, parce que c'est un lieu qui est déjà en soi assez impressionnant, qui est assez intimidant aussi quand les éclairages ne sont pas là. Très beau le fait que ce lieu ouvre ses portes à la communauté, à la réalité de cette communauté qui célèbre Halloween depuis de nombreuses années et qui entre dans le jeu finalement. On va voir où ça va nous mener.